Niger-Russie, un partenariat qui éjecte l'U. Une délégation russe, conduite par le vice-ministre de la Défense, le colonel général Yunubek Yevkurov, a été reçue, à Niamey, par le président de la transition au Niger, le général Abdourahmane Tiani. Au même moment, Niamey a annoncé mettre fin à deux missions de sécurité et de défense de l'Union européenne, U, dans le pays. Le gouvernement de transition au Niger a annoncé mettre fin à deux missions de sécurité et de défense de l'UE dans le pays, au moment où il accueille une délégation russe à Niamey. À l'issue de la rencontre avec cette délégation russe, les parties ont procédé à la signature d'un document d'entente, dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre le Niger et la Russie, paraphé par le ministre d'État nigérien à la Défense, le général de corps d'armée, Salifou Modi, et le vice-ministre de la Défense de Russie, le colonel général, Yunubek Yevkurov. Il s'agit de la première visite officielle d'un membre du gouvernement russe au Niger depuis le coup de force, qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Le gouvernement de transition a annoncé dans un communiqué la dénonciation de l'accord de coopération militaire passé avec l'UE relatif au statut de la mission EUCASA El Niger, acté depuis 2012. Le gouvernement nigérien a également déclaré le retrait du consentement accordé pour le déploiement d'une mission de partenariat militaire de l'UE nommée UMPM. Cette mission a été lancée en février pour soi-disant soutenir le pays dans sa lutte contre les groupes armés terroristes. Le Niger est en proie à des violences terroristes, dans l'ouest et le sud-est du pays. Le gouvernement nigérien ajoute qu'il décide du retrait des privilèges et immunités accordés dans le cadre de cette mission, sans précision. En septembre dernier, le Conseil de l'Europe a prolongé le mandat de cette mission, jusqu'en septembre 2024. La semaine dernière, les autorités militaires nigériennes ont abrogé une loi de 2015 concernant le trafic de migrants, adoptée dans le cadre d'un accord avec l'UE, pour bloquer l'immigration des ressortissants africains vers l'Europe en passant par le Niger et certains pays du Maghreb. Depuis le coup de force du 26 juillet dernier contre le président Mohamed Bazoum, les relations entre le Niger et l'UE sont devenues tendues. L'UE refuse toujours de reconnaître les autorités militaires nigériennes et demande la libération du président déchu et son rétablissement. Le Niger s'est également rapproché du Burkina Faso et du Mali, partenaires comme l'UE de la Russie, de l'Iran, de la Chine et également de la Turquie, et dirigé par des gouvernements de transition. Après le Mali, le Niger et le Burkina ont annoncé leur départ de l'organisation G5 Sahel, dédiée à une prétendue lutte contre le terrorisme. De 5, ils ne sont désormais plus que 2. Une décision qui a pris effet dès le 29 novembre, 9 ans après la création de l'organisation dont les membres restants sont la Mauritanie et le Tchad. Largement financée par l'Union européenne, cette force représentait aux yeux des partenaires internationaux du Sahel, une porte de sortie dans une région en proie aux violences terroristes. Ces départs sont une nouvelle illustration du tournant souverainiste revendiqué par les trois pays, qui ont signé en septembre un pacte de défense mutuelle, l'Alliance des États du Sahel, cimentant le partenariat entre leurs armées. Il marque aussi une nouvelle étape de la rupture, avec les anciens partenaires occidentaux, et notamment la France. Pour Niagalba Gayoko, les départs successifs du Mali, puis du Burkina Faso, et du Niger du G5 Sahel étaient prévisibles, et ne font que confirmer la mort cérébrale de l'ORGANISATION, ouvrez les guillemets. À la suite de la France dont les troupes ont été invitées à achever leur retrait du Niger d'ici à la fin de l'année 2023, l'Union européenne, UE, s'est vue notifier, le 4 décembre dernier, la fin de son partenariat militaire avec le Niger. L'ex-président a été renversé par un coup de force mené par sa garde rapprochée, le 26 juillet dernier à Niamey. Joignant l'acte à la parole, les nouvelles autorités du Niger ont donné un délai de 6 mois à la force européenne pour quitter le pays. Il appartient donc à l'UE et à la France de changer leur fusil d'épaule dans leur rapport avec les pays africains frappés par le terrorisme, dans un contexte où seul compte, aux yeux des populations qui souffrent le martyre de ces attaques lâches et barbares, les résultats dans la lutte contre le fléau du terrorisme. Et dans la recherche de nouveaux alliés, c'est à celui qui offrira les meilleures garanties de collaboration aux yeux des Africains. C'est le jeu des intérêts, et l'Afrique semble aussi s'imposer dans un monde multipolaire. Décryptage, les élections, l'alpha et l'oméga de la vitalité démocratique des États. Dans une démocratie représentative, le terme d'élection traduit l'action par laquelle le citoyen choisit par voie de suffrage son mandataire, président de la République, président d'association, président de syndicat, pape, député, conseiller municipal, élire, c'est voter en glissant un bulletin dans l'urne, ou à main levée, selon les règles juridiques, encadrant le scrutin. En général, le suffrage dans un corps politique est à bulletin secret.
un des outils du système démocratique, l'élection est donc un processus par lequel le citoyen vote pour une, ou plusieurs personnes, pour exercer une fonction en vue de la conduite des affaires publiques. La sociologie électorale, Siegfried, 1910, a largement traité les stratégies électorales. En fonction de la particularité des pays, l'analyse des élections permet de questionner la maturité des États pour minimiser les éventuelles crises post-électorales. Une leçon universelle de démocratie. Mardi, 14 novembre 2023, M. Joseph Nyuma Boakye est élu président du Liberia, avec 50,89% des voix exprimées au second tour de la présidentielle. Les Libériens ont choisi Boakye, 79 ans, deux fois l'aîné du président sortant, l'ancien ballon d'or africain, George Weah, 57 ans. Le leadership n'a pas d'âge. Grâce à sa ténacité, M. Boakye devient le troisième président démocratiquement élu du Liberia, pays membre de la CEDEAO. Le président sortant, oui, félicite le vainqueur Boakye. Quel fair play, les a priori antidémocratiques se défont. Une leçon universelle de démocratie pour la classe dirigeante africaine, tributaire des blocages moraux les empêchant de reconnaître leur défaite. Vice-président du Liberia, 2006 à 2018. Durant le mandat d'Ellen Johnson Sirleaf, le nouveau président M. Boakye prône l'unité pour reconstruire son pays, victime de la guerre civile des années 1990. La victoire de Boakye est assurément liée au vote d'une population libérienne qui aspire à l'alternance démocratique. Espérons que le Liberia serve de modèle pour les pays où sont prévus des scrutins présidentiels. La prudence est de mise. Le 20 décembre prochain, les Congolais votent entre le président sortant candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi, 60 ans, de l'Union pour la démocratie et le progrès social, et les candidats de l'opposition. Les challengers de ce dernier sont Martin Fayulu, 67 ans, du Parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, Moïse Katumbi, 58 ans, du Parti Ensemble pour la République, et l'indépendant Denis Mukwege, 68 ans, prix Nobel de la paix en 2018. Au son de la campagne électorale congolaise, sont psalmodiés des mots comme la justice, l'espoir, la dignité, la démocratie, la sécurité, etc. Tout le monde se dit combattant pour la paix. Le pays de Patrice Lumumba en a besoin. Le Nord-Est, Nord Kivu, est en effet secoué par la rébellion du mouvement du 23 mars, M23, depuis plus d'une décennie. L'équilibre sécuritaire est fragile. Le 22 novembre 2023, le gouvernement congolais signe une note pour un retrait accéléré, progressif, ordonné et responsable de la MONUSCO. La prudence est de mise dans un des pays les plus importants de la CEMAC, communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La conscience politique du peuple sénégalais. Le 25 février 2024, le Sénégal, pays membre influent de la CEDEAO, organise son scrutin présidentiel pour élire le successeur du président sortant, Macky Sall. La liste des compétiteurs à la magistrature est longue. Amadou Ba, 62 ans, de la coalition Unie par l'espoir, Khalifa Sall, 67 ans, de Taxaoui Sénégal, ou Karim Ouad, 55 ans, du PDS Parti démocratique sénégalais sont chacun dans son couloir. Mais en raison de l'incertitude sur la candidature d'Ousmane Sonko, c'est le secrétaire général de l'ex-PASTEF, Bassirou Diomaye Faye, qui est choisi pour la présidentielle de 2024. Rappelons que le parti PASTEF a été dissous en juillet 2023 par le pouvoir sénégalais pour appel à des mouvements insurrectionnels. Rappelons aussi que Bassirou Diomaye Faye est en prison depuis avril 2023. Le contexte politique sénégalais est tendu. Les rivalités entre une partie de l'opposition incarnée par l'ex-PASTEF et le parti du président sortant, Alliance pour la République, ne détendent pas l'atmosphère. Ceci dit, le pays de la Teranga a besoin de faire un sursaut historique. Le Sénégal est un des rares pays de l'espace CEDEAO à ne pas souffrir de putsch militaire, probablement grâce à la conscience politique de son peuple. En dépit de la division des opinions publiques, la défense d'un intérêt commun, celui de la démocratie et de la République depuis 1960, a favorisé la stabilité politique du Sénégal. Espérons que cet esprit collectif prédomine encore et ailleurs dans la CEDEAO. Entre pacification et scrutin. Le 25 septembre 2023, l'exécutif malien a annoncé un léger report pour des raisons techniques de la présidentielle de février 2024. Un léger problème, mais depuis silence radio. Certes, la ville de Kidal a été reconquise par les FAMA grâce à l'inversion des rapports de force. Les Maliens s'en réjouissent.
Certes, le 5 décembre 2023, la dénonciation simultanée des conventions de non-double imposition, avec la France d'un côté et le Niger et le Mali de l'autre, n'arrange pas l'affaire. Les motifs de cette nouvelle passe d'armes, selon les gouvernements maliens et nigériens, c'est l'attitude hostile persistante de la France contre nos États, et le caractère déséquilibré de ces conventions causant un manque à gagner. Souvenons-nous que le Burkina Faso a déjà dénoncé la convention fiscale avec la France en août 2023. Les relations entre le pouvoir français et les pouvoirs maliens, burkinabés et nigériens sont comme des tensions de famille. Elles oscillent entre rejet, écœurement et nombrilisme. On se discrimine à tire l'arigot. Passons, mais la priorité du Mali demeure la pacification du pays et l'organisation du scrutin présidentiel. La multiplication des récentes attaques narcoterroristes à Ménaka, Diourra, Tessali et Niafinké témoigne de la poussée de l'EI et d'ACMI. Nul doute que dans ce contexte, les stratégies de lutte contre le narcoterrorisme doivent être réinventées. Mais un autre fil important à tirer pour la stabilité de nos États, c'est celui de l'organisation des scrutins présidentiels. Terminons cette note d'information par le bout par lequel il est commencé, l'élection. Certes, l'élection à elle seule ne suffit ni à construire la démocratie ni à développer un pays. Mais elle est un des meilleurs outils pour évaluer la vitalité politique et démocratique d'un État. Plus les élections se tiennent à fréquence régulière, plus elles sont susceptibles de mieux arrimer conscience citoyenne et épanouissement démocratique.